Η L'Oréal Paris όλοι γνωρίζουμε ότι πάντοτε πρωτοπορεί και δημιουργεί καινοτόμα προϊόντα. Με ποιο τρόπο καταφέρνει να βρίσκεται πάντα μπροστά από τις εξελίξεις σε αυτό το τομέα? C'est vrai, chez L'Oréal, on est toujours en avance sur les tendances. On a des technologies toujours très 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 en amont, travaillées très en amont par nos chercheurs. On a la chance d'avoir une société qui a investi plus de 3% de son chiffre d'affaires en recherche, avec 21 sites de recherche, plus de 4000 chercheurs qui produisent chaque année un minimum de 500 brevets, c'est énorme. Et pour vous donner encore un chiffre encore plus grand, des millions de formules sont travaillées tous les ans. Et parmi ces millions de formules, seulement les meilleures sont sélectionnées pour être lancées, pour garantir toujours la meilleure innovation pour toutes les femmes, parce que c'est ce qu'elles recherchent dans le domaine de la beauté. Η L'Oréal Paris, εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, έχει σταματήσει τις δοκιμές των προϊόντων της στα ζώα. Ποιες εναλλακτικές μεθόδους έχει αναπτύξει έναντι αυτών? L'Oréal ne fait pas de tests sur les animaux et cela depuis plus de 30 ans. En fait, L'Oréal a été une entreprise pionnière dans le développement d'outils qui nous permettent de ne pas avoir recours à des tests sur animaux grâce à plusieurs systèmes de biotech et notamment, s'il faut en citer un seul, EpiSkin. En fait, un savoir-faire biologique et des collaborations avec des hôpitaux qui nous ont permis de développer un outil à partir d'une cellule de peau humaine, être capable de reconstruire tout un épiderme afin de tester la bonne tolérance de chacun de nos ingrédients, de certaines de nos formules. Et c'est une avancée indéniable dans le système des tests alternatifs. Et cette innovation, nous aurions pu la garder pour nous. Mais en fait, nous avons décidé de la partager avec toute l'industrie, puisqu'aujourd'hui, EpiSkin vend son tissu de peau reconstruite aussi bien à des entreprises cosmétiques comme la nôtre, mais également à l'industrie pharmaceutique, l'industrie textile, l'industrie agroalimentaire. Donc oui, L'Oréal a été pionnier dans l'arrêt des tests sur animaux et il y a plus de 30 ans que cette histoire dure et qu'elle continue à se développer. Πώς θα γνωρίζει μια γυναίκα αν η κρέμα της είναι ασφαλής για την επιδερμίδα της? Πώς η L'Oréal Paris διασφαλίζει την ασφάλεια των προϊόντων της? Toutes nos consommatrices peuvent être sûres de la bonne tolérance de nos produits parce que nous avons énormément de tests réalisés dans le domaine de la sécurité. Tous nos produits sont testés sous contrôle dermatologique. Chaque produit fait l'objet de plus de 600 applications. Le dermatologue fait appel à des volontaires ayant tout type de peau, y compris des peaux sensibles, et ça en général les gens ne le savent pas parce que L'Oréal Paris n'est pas une marque dédiée aux peaux sensibles, mais quand même, comme notre marque est accessible et disponible dans nombreux points de vente, eh bien nous voulons que si d'aventure une peau sensible avait envie d'essayer notre produit, elle ne soit pas déçue pour des raisons d'intolérance. Donc en fait, tous nos produits sont testés, y compris sur des peaux sensibles, pour vérifier la bonne tolérance de chacun de ces produits. Πώς θα είναι σίγουρη μια γυναίκα ότι έχει επιλέξει τη σωστή αντιρρητική κρέμα? Les produits L'Oréal Paris sont vraiment adaptés à chaque type de besoin et cela est possible parce que nous avons différents hubs de recherche, des laboratoires qui travaillent aux quatre coins du monde pour développer des produits aussi bien pour les peaux les plus jeunes, les peaux sensibles, les peaux un peu plus âgées ou très soumises au soleil, très photo-exposées, avec des jeunes rides qui naissent ou aussi bien que des rides profondes. Nous avons des produits qui sont capables de répondre à tous ces besoins avec les meilleures technologies qui sont toujours testées par des instituts indépendants pour avoir une vraie objectivité, être sûr que les produits vont être performants et vont satisfaire aux besoins de toutes nos consommatrices. Πόσα χρήματα θα πρέπει να δαπανίσει για να είναι σίγουρη ότι η κρέμα που έχει επιλέξει είναι αποτελεσματική? Δηλαδή, όσο πιο ακριβή είναι, σημαίνει πως είναι και πιο καλή? Alors, choisir un produit, ce n'est pas une question de budget uniquement. C'est vrai qu'on me pose souvent la question, est-ce que les crèmes les plus chères sont les plus efficaces? Pas du tout. En fait, ce n'est pas une histoire de prix. L'efficacité se doit d'être objective, c'est-à-dire fiable. Et donc, lorsque sur un packaging, dans le groupe L'Oréal, vous voyez un claim, donc une revendication, que ce soit une réduction de rides, une hydratation, ce sont toujours les mêmes types de tests qui sont utilisés par nos sous-traitants, qui sont indépendants, pour pouvoir soutenir ce genre de claim de performance. Donc, en fait,
c'est pas plus on investit d'un point de vue consommateur et plus on retire des bénéfices, c'est vraiment une somme de bénéfices qui vont d'un point de vue efficacité, mais aussi d'un point de vue tout simplement émotionnel. Avoir un joli packaging qui vous plaît, avoir un plus grand pot, avoir une personne qui vous est dédiée dans un corner de parfumerie pour vous aider à choisir le meilleur des produits, tout ça, ça coûte de l'argent et évidemment ça rentre dans la composition du prix final. Mais encore une fois, le produit le plus efficace ou celui qui vous conviendra le plus sera pas forcément le plus cher. Και τέλος, πώς βγαίνει μια νέα απόχρωση της Excellence? Alors, Excellence, ça a toujours été la crème de la crème des colorations. Chez nous, au laboratoire, on est toujours à la recherche de technologies de coloration qui permettent d'avoir un reflet, une brillance, une hauteur de ton et une résistance dans le temps qui soit vraiment de plus en plus forte, mais également du soin qui soit capable d'apporter de la brillance, de protéger votre cheveu. Alors dans le nouveau soin Excellence, on a rajouté un troisième geste qui est vous apporter le shampoing qui convient à utiliser juste après avoir fait votre coloration. Ça va permettre de protéger, de bien refermer les écailles de la fibre pour que la coloration reste intacte plus longtemps.